part du patrimoine, il faudrait avoir constamment à l'idée de préparer sa succession, étant entendu que ça peut arriver à n'importe quel moment. Pour préparer sa succession, au fur et à mesure de l'acquisition du patrimoine, il va falloir faire attention, notamment à son régime matrimonial, hein, que ce soit par exemple le contrat de mariage, que ce soit les accessoires qui y sont liés, je pense notamment, et c'est pas exhaustif, à la donation au dernier vivant. Et puis au fur et à mesure où l'âge va avancer, où le patrimoine va grandir, en tout cas je l'espère, on pourra penser aux libéralités, c'est-à-dire s'en aller devant le notaire, pour préparer notamment ce qui pourra être un testament. À mon conseil, ce serait finalement de se laisser conseiller, hein, parce qu'au fur et à mesure où l'acquisition du patrimoine va se mettre en route, il va être nécessaire d'avoir quasiment systématiquement en tête ce qui se passerait en cas de succession. Donc, évidemment, il y a un équilibre du patrimoine qui est à respecter, des choses qui nécessairement feront partie de ce qu'on appelle la masse successorale et éventuellement taxées aux yeux de la loi, mais à minima, il existe un conseil qui est quasiment universel, c'est celui de faire appel aux contrats d'assurance-vie. Les contrats d'assurance-vie aujourd'hui, ce sont des contrats qui peuvent être réellement simples, disponibles, tout comme une partie de votre patrimoine, tout en présentant tout de même un avantage indéniable, c'est celui de sa transmission hors partage successoral. J'entends par là que l'on peut désigner librement les bénéficiaires de son contrat, et hors droit de succession dès lors que l'on respecte la réglementation en vigueur.